Les dieux sont fâchés. Les calamités planent. Les sacrifices doivent être faits pour apaiser les dieux du royaume. Sinon, un désastre s'abattra sur ce royaume. Soyez unis! Soyez unis! Celui qui a des oreilles, entende. Soyez unis! Celui qui a des oreilles, entende. Le vin donne la joie. La bouteille est mon ami. Et même si tu as une voiture, tu ne seras jamais plus heureux que moi. Allez, passe par là et va-t'en. Tu peux partir, hein? Tu peux partir. Oui, oui, tu peux me traiter d'ivrogne. Mais tu es pire qu'un foulard. Regarde-toi, imbécile. Tu n'es qu'un gros salopard. Et espèce d'imbécile, reviens ici, tu n'es qu'un idiot. Et espèce d'idiot, reviens ici. Regarde la route, regarde notre route, regarde comment c'est. Et on t'a remis l'argent pour notre communauté et tu as fini de le dépenser. Regarde la route, salopard, viens m'affronter si tu peux. Ogourou va te battre comme un serpent. Viens m'affronter, regarde-toi, regarde notre route. Le gouvernement t'a remis le cash pour arranger notre route et tu as gaspillé cet argent. Tu l'as utilisé pour tes affaires. Que le tonnerre te frappe, n'importe quoi. Nos enfants souffrent. Et tout ça, c'est à cause de toi. Ah! Je m'en vais dans ma... Regardez-moi cet idiot. Regarde notre route. Le gouvernement vous a donné l'argent pour améliorer la vie de nos jeunes. Et ils ont tout gaspillé. Imbécile. Bande idiot. Pilleur de population. Imbécile. Salaud.
Le vin donne la joie. La bouteille est mon ami. Regardez-moi cet homme qui me parle n'importe comment. Il me traite de soulard, n'importe quoi. Hein? Il me traite de soulard. Mais et toi? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi te mets-tu au travers du chemin du porte-parole des dieux? N'as-tu pas peur? Une personne a parlé ou bien je m'entends déjà parler? Est-ce que je m'entends déjà parler ou quelqu'un a parlé? Petit, tu as dit quelque chose? Au gourou. Au gourou. Oui, monsieur. Ou quel que soit ton nom, tu viens de signer ton arrêt de mort. Toi, comment oses-tu parler aux porte-parole des dieux de cette manière? Hey, dégage là-bas. Dégage de là. Hors de mon chemin. Tu es qui? Le porte-parole de quel dieu est-ce que tu représentes? Écoute, laisse-moi te dire, tu ne peux que tromper tous ceux qui sont au palais et les autres gens. Ceux qui ne te connaissent pas très bien. Moi, au gourou Ike, tu ne peux pas me tromper. Je ne suis pas bête, tu sais. Hein? Tu as compris ce que j'ai dit? Je te connais. Toi et tes secrets. Écoute, tous tes secrets sont ici dans ma paume de main. Cesse de te tromper, n'importe quoi. Représentant des dieux, représentant de mes fesses. Fais attention. Ivrogne. Comment oses-tu parler au porte-parole des dieux? Lequel des dieux? Hein? Lequel des dieux, dis-moi? Tu parles de quel dieu? Écoute, laisse-moi te dire, cesse de m'asperger ta salive. J'ai pris mon bain. Tu as vu que j'étais déjà très beau et propre avant de te croiser. Écoute, laisse-moi te dire, tu ne peux que tromper ceux qui sont au palais. Et je sais que chaque fois que tu vibres comme un serpent qui a été mordu par quelque chose d'autre, je sais que tu es à court de vivre. Dis-moi, les ignames, les chèvres et les poulets sont par où? Parce que je sais que quand tu vas au palais, c'est pour les menacer que les dieux ont dit ceci, les dieux ont dit cela, et alors qu'ils n'ont jamais rien dit. Et en fait, tu n'es qu'un imposteur, tu ne représentes personne. Gourou. Mon ami, dégage de mon chemin, j'ai un truc, écoute-moi. Ne te place plus jamais au travers de mon chemin. Et comme tu me vois actuellement là, j'ai une importante réunion à l'Assemblée nationale. C'est là-bas que je me rends. La prochaine fois que tu m'interceptes en route, je vais te découper. Espèce de menteur. Qui représentes-tu? N'importe quoi. Espèce d'antiquité. Gourou, oui. Tu es un homme mort. Est-ce qu'un homme mort peut-il encore mourir? Gourou, tu es un homme mort. Je suis déjà un homme mort, donc tu ne peux rien me faire. Ah, dégage de là. Que le tonnerre te frappe, tu sais quoi? Tu n'es que marabout affamé. Espèce de marabout affamé. Tu t'en vas au palais les menacer avec tes phrases bêtes et tes histoires à la con? Nye, 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 nye. Il n'y a qu'au palais que tu peux faire toutes tes histoires. Pas avec moi, au gourou. N'importe quoi. N'importe quoi. Je sais que ton stock est fini. Tu n'as plus de chèvres et tu n'as plus de poulets. Vas-y au palais les menacer pour qu'ils puissent reconstituer ton stock avec les chèvres, les poulets et l'huile de palme. Espèce d'imbécile. Espèce de faux porte-parole. Tu sais à qui tu es en train de parler? Tu t'adresses à l'oracle de l'association des buveurs de vin de palme. N'importe quoi. Tu crois que je n'ai pas de cervelle? Hein? Le vin donne la joie. La bouteille est mon ami. Hey, espèce d'idiot. Je suis sûr qu'aujourd'hui sera une très bonne journée pour moi. J'ai rencontré un idiot sur mon chemin. N'importe quoi. Tu ne peux pas gâcher mon humeur et aussi ma journée. Laisse-moi filer à l'Assemblée nationale là où j'ai un vrai rendez-vous. Avec les vrais gens importants. Les gens importants, j'ai dit. N'importe quoi. N'importe quoi. Où est le loumoumé? Ordi. Achuoba. Dile tia wulanya. I Sénégal wè. Ike kwa nou. Ike le gwa le wuji. Hein? Ike nou mouk mul kwa kwa le. Akwo. Ha.
quoi, coulou nous pas d'abord quoi. Asena waji chogano diye atadawola diye akonda bukuru chaga Lui apprendra à ne jamais refuser mes avances. Aucune femme ne peut me rejeter et rester en vie. Elle mourra de douleur et rien ne pourra la sauver. Stupide femme. Oh, 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 tigou, pendigou, tigou, kadé, koudou, poudou, quand koudou, tigou, voilà, fait, tigou, bou. T'es pas dans le de gonde, 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 écoutez les gars, buvez le vin, buvez le vin. Écoute, ceci c'est hein, la vitamine. Joie, joie, joie. C'est plus important que la vie. Vous dites le contraire? Abda, buvez le vin, les gars. Ne vous inquiétez pas, il y a l'argent. Dans la maison de mon père, il y a tout, les gars. Okoro, le vin. Okoro, mmh. Okoro. Hein? Écoute-moi un peu. Je t'écoute. Ogulu mwanyo kwa. Hey! Mwanyo. Oui, mon frère. Mwanyo kwa. Mon frère. Ezenwayo. Oui, je t'écoute. Tu sais bien qu'on est venu ici le ventre vide. Faut pas que ce qui t'est arrivé hier arrive aujourd'hui. Va doucement avec l'alcool. C'est juste un conseil. Et quoi? Et quoi? Et quoi? Et quoi? Et quoi? Maintenant, c'est toi qui vas écouter. Ogoriké, ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis pas ton égal. Combien de fois est-ce que je t'ai appelé? Ogoriké, calme-toi. Combien de fois je t'ai appelé? Réponds-moi. Tu parles à qui? Tu as l'argent? Et si Ogoriké est une insulte, laisse tomber. Et si tu as envie de m'insulter, insulte-moi. Viens. Viens, insulte-moi, mais couvre ça avec un peu de respect. Mais c'est quoi ces bêtises que tu racontes là? Qui t'a dit que je ne connais pas mon niveau? Laisse-moi te dire, dès que je l'atteins, je m'arrête. Tu m'as compris? Mais c'est quoi ces bêtises? C'est ce que je disais à mon père. Je lui ai dit d'arrêter de me suivre. Qu'il me libère pour que je m'amuse comme je veux. Mais il n'avait pas écouté. Et il est mort au final. Et quoi, si j'étais toi, je me dépêcherais de fermer mon clapet. Je demande, c'est quoi ces bêtises que tu racontes? Bêtises, comment? Ok. Oh, 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 ok. Tu as tué ton père, alors maintenant tu vas me tuer. Si tu veux que je te tue, tu vas mourir, parce que ta bouche parle écoute, trop. Écoute, le tonnerre va te frapper dans ce village. Ça suffit. Je le dis. C'est bon. Non, 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 non. Dis-moi. C'est bon. Tu dis c'est bon. Les gars, c'est bon. Hein?
Monsieur le Pacifique, bon. Qu'est-ce qui est bon c'est là bon. Et pourquoi tu me dis ça? Il faut le dire à Ekwe. Il boit avec mon argent c'est et bon. Il a osé m'insulter. C'est bon. Allez, cessez de vous quereller. On est ici pour s'amuser, pas pour bagarrer. Ok, ok, ok. Et puis où est la serveuse? Écoute, vient nous servir tu es le juge. Alors, juge chat, hier, quand je rentrais à la maison, j'ai vu Oguru caché dans les herbes, confortablement. Il dormait. Quand j'ai voulu le réveiller pour l'emmener chez lui, tu sais ce qu'il m'a répondu? C'est ma chambre ici. Comment suis-je arrivé ici? S'il te plaît, passe-moi l'oreiller. Que je dorme bien. Regarde-le. Alors, est-ce une mauvaise chose de vouloir lui donner des conseils? Oh, 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 oh. Et quoi? Donc, l'attaque que j'ai eue hier soir, c'était toi? Quelle attaque? Et quoi? Je te soupçonne. Tu es maintenant mon ennemi numéro un. Mais et est-ce que tu sais que hier, j'ai été kidnappé et gardé dans un donjon? Dans un donjon? J'ai été kidnappé hier quand je rentrais chez moi. Donc alors, c'était toi. Ekwena. Ena. Ena. Regarde. Écoute. Ne me parle plus comme ça. Je ne suis pas ton égal. Je suis ton égal, mais est-ce que tu as l'argent? Hier, tu nous as dit que tu as vendu le terrain de ton père. Mais est-ce que ne tu as l'argent? Ne me fais pas me lever ça, d'ici. C'est mon... D'abord, tu ne bois plus ici. Parce que ça, c'est mon argent. N'importe quoi. Je vais... Tu n'es qu'un imbécile. Ne me pousse pas de taper. Espèce d'imbécile. Depuis que je t'ai dit d'apporter la nourriture, ne lui donne rien. Ne lui donne rien. Pose ça. Je vais... Ekwe, si tu touches à ça, je vais te pulvériser ici. C'est quoi ton je vais problème? Te tuer. Écoute. Ne lui donne rien, j'ai dit. Ekwe, je... Cessez de vous querer. C'est pulvériser. Bon. C'est bon. Je vais te massacrer. Ok, choisis un. Ça, c'est la morgue. Et ça, c'est l'hôpital. Okay, vas-y, okay. Choisis un. C'est ça. Bon. Donne-moi mon vin, sinon je vais te... Si je te donne un coup de poing, tu ça vas suffit. Tomber de l'autre côté. Arrête cet homme. N'importe quoi. Votre Majesté, ce message d'abaissement des dieux donné par leur porte-parole, le prêtre en chef, est très inquiétant. Ils doivent m'être pris au sérieux. Écoutez, c'est dit que les dieux sont en colère. Alors je crois que on doit réfléchir à une solution très rapidement, très vite, sans davantage perdre de temps. Votre Majesté, je suis d'accord avec ce que Ichioko vient de dire. On doit considérer ces dires comme une affaire urgente. Majesté, je ne suis pas d'accord sur cette affaire. Quoi? Oui, pour commencer. Le prêtre en chef ne nous a pas dit ce qu'on a fait de mal. Tout ce qu'il dit, c'est qu'on doit apaiser les dieux, sinon les calamités vont arriver. Pourquoi ne nous a-t-il pas dit ce qu'on a fait de mal, ni comment on peut apaiser réellement les dieux? Votre Majesté, que votre vie soit longue. Cette affaire qui nous arrive est très, très délicate. C'est comme une mouche titrée qui pique le testicule d'un homme. Et si on tape par là-bas, ça va blesser les couilles. Et si on laisse aussi la même mouche titrée là-bas, elle va sucer le sang dans le corps. Alors, je suggère qu'on puisse la gérer avec tact et sagesse. Donc, on peut appeler le prêtre en chef et comme ça, on pourra lui demander ce qu'on peut faire. C'est ça ma solution. Et tu es quoi? Majesté? Tu as vraiment parlé avec beaucoup d'éloquence et de sagesse. Merci. Mais cela ne veut pas dire que ce que Onoo et... les autres, Ichie, ont pu dire était mauvais. Vous également, vous avez très bien parlé. Hein? Merci, Majesté. Maintenant, nous devons encore nous réunir dans les 4 prochains jours du marché. D'ici là, le prêtre en chef sera déjà de retour. Il sera rentré de sa retraite chez les dieux. Ok. Oui. Thank you.
Ejike, donne-moi l'argent. Cette chèvre n'est pas grasse du tout. Et donc, tu la vends à combien? Dépêche-toi, donne-moi 7 000. Je vais gérer. 7 000? Hé, hey, mon ami, on n'est pas au marché ici, hein? Tu le sais, ça? Cette chèvre n'est pas une chèvre ordinaire. Donne-moi, je vais racheter mes trucs. Calme-toi, calme-toi. Tiens, je vais te donner 1 500. À prendre ou à laisser. Mais ce ne sont pas des crevettes. Donne-moi, je vais partir. Je te donne? Donne-moi. Tu acceptes ça facilement comme ça? Mec, je suis un businessman, je n'ai pas le temps. Ok. Donne-moi, je n'ai pas le temps. Donne-moi. Pourquoi tu es si pressé? Écoute, j'ai une autre chèvre qui arrive demain. Demain matin, j'aurai une autre chèvre. Mais dépêche-toi. Rembourse-moi, allez. Tu es mon client habituel. Je te donne la monnaie lorsqu'on va se revoir. Comment tu fais les trucs bizarres? Donne-moi ma monnaie. Calme-toi, arrête de faire ça. Je t'apporte une autre chèvre demain matin, non? Ah, alors bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai laissé une chèvre ici pour aller chercher des herbes. À mon retour, la chèvre a disparu. Ça veut dire quoi, ça? Attends, tu es sûr que la chèvre est attachée ici? Mais parce que c'est impossible que ta chèvre disparaisse comme ça du jour au lendemain. Ici. Oui, c'est possible que tu crois l'avoir attachée ici, pourtant ce n'est pas ici que tu l'as fait. Tu dois bien la chercher, ça je t'inquiétais. Comment ça, si je suis sûre? Suis-je un bébé? Tu veux dire que j'ai oublié cette chèvre? Tu veux dire que j'ai oublié où je l'ai attachée? Je n'ai jamais dit que tu étais un bébé. Va-t'en. C'est quel genre de parole ça? Laisse-moi. Je suis désolée, je n'ai pas dit que tu étais un bébé. Elle était ici. Je m'inquiète seulement pour toi parce que tu es une bonne voisine. As-tu vérifié par là? Va par là-bas et regarde. Cherche, tu verras. On n'a pas de voleur dans ce village. Regarde juste. J'en suis sûre, on n'a pas de voleur dans ce village. Cherche encore très bien, tu vas trouver. Tu as mal. Les larmes que tu coules ne vont pas te guérir. Je ne sais pas pourquoi Dieu permet ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cela t'arrive. Calme-toi, d'accord? Calme-toi. Ça va aller. Je sais que tout finira par aller. Toutes les larmes que tu verses ne serviront à rien. S'il te plaît, calme-toi. Ça va aller, calme-toi. Tu dois te calmer, d'accord? Ça va aller. Calme-toi. Ça ne va pas avec ce village. Les gens sont vraiment méchants. Désolée. Vas-y doucement, ma sœur. Quand je vois ça, j'ai mal à ta place, vraiment. Je suis désolée. Vas-y doucement. Ça va aller. Vas-y doucement, je t'en prie. Désolée. Tout ira bien. Ne t'en fais pas, on va trouver une solution. Nous allons trouver une solution. Je te ferai encore plus mal. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Tout ira bien. Aïe! Aïe! Je suis désolée. Thank you.
Si je leur dis que quelque chose arrive et quelque chose est sur le point d'arriver, ils ne vont pas me croire. Attendez et vous verrez. Tout ce que je dis se réalise toujours. Laisse-moi passer. Je ne suis pas un prophète. Pardon, laissez-moi passer. Laissez-moi partir. Je dois me recharger avec du très bon vin. Voilà, je suis en train de parler et vous faites des bruits. Les oiseaux osent crier et piailler. Oh, cette communauté, de grandes choses vont bientôt arriver dans cette communauté. Ça va tomber sur nous. Et moi, je serai où? Au Guru Ike. Je serai au bar. Moi, je serai où? Je serai au bar ou alors au désert. Tu sais que le bar, c'est ma maison. Je ne suis pas un prophète, mais je vois avant que les choses n'arrivent. Retenez qu'un grand événement va arriver dans cette communauté. Tu n'es qu'un imbécile. Espèce d'imbécile. Laisse-moi... Voilà. Quand je leur dis que cette communauté est différente, ils ne vont pas me croire. Je leur dis toutes ces choses tous les jours que Dieu fait, mais ils ne sont que des idiots et des imbéciles. Que la lumière soit, et la lumière fut. Attention à mes paroles. Tu es ici pour délivrer cette communauté de l'emprise des ténèbres. Pour libérer les âmes des hommes et des femmes. Pour rendre les captifs libres et pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tu dois tourner le cœur des hommes et des femmes pour qu'ils adorent le seul Dieu. Tu dois guérir les malades, ressusciter les morts. Et une grande paix sera le partage de cette personne. N'aie pas peur des méchants et de leurs menaces. Car je serai avec toi.
Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Ô Père Céleste, merci pour ta parole de ce jour. Merci parce que tu as dit que tu me guideras et tu m'instruiras et me montreras les choses que je dois savoir. Et tu me feras voir à travers tes yeux. Père, comme je sors aujourd'hui, guide-moi, enseigne-moi et fais-moi voir à travers tes yeux. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon fils, tourne-toi à droite et marche ton rêve. Je t'indiquerai la demeure de ces gens que je t'ai montrés dans le rêve.
Il y a un cri de détresse d'une femme et ses pleurs torturent le cœur du père. Je veux que tu ailles l'attendre. Maintenant, va tout droit et prends le premier tournant à ta gauche. Va dans la concession à ta gauche. Là, tu la trouveras. Que la paix soit dans cette maison et sur vous. S'il vous plaît, qui êtes-vous, monsieur ? Je m'appelle Jude Thaddée. Je suis le serviteur du Très-Haut. Et il m'a ordonné de venir guérir cette fille d'Abraham qui a été frappée. Elle a énormément mal. Croyez-vous que mon Dieu puisse la guérir? Oui, 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 monsieur. Oui, je le crois. C'est mon unique sœur. Elle souffre tellement de cette douleur. Et de nous, monsieur. Je n'ai aucun autre endroit où aller. Je n'ai personne, s'il te plaît, monsieur. Ne pleurez plus. Oui, monsieur. Un ennemi a fait cela. Oui. Oui, monsieur. Mais ne pleurez plus. Car aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant sera glorifié à travers cela. Hey. Hey. Ah, tu as vu ça, ma sœur? Hey. Hey. Lève-toi, fille de Dieu. Lève-toi. Elle se lève. Elle se lève, là. Est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Laisse-moi voir. Attends. Attention. Ah! Plus de douleur. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Merci, monsieur. Merci. Hey. Ne me remerciez pas. Car c'est Dieu lui-même qui l'a guéri. Et c'est à lui et à lui seul que reviennent la louange et l'adoration. Remerciez-le. Merci. Seigneur. Merci, monsieur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Qui est même ce fou qui défie mes pouvoirs?
Qui est cet étranger qui pense délivrer les captifs de ma main? Comment oses-tu délivrer une femme que j'avais condamnée à une vie de misère? Tu connaîtras bientôt la stupidité de tes actes. Je te détruirai. Je te détruirai. Votre Majesté, il y a d'étranges rumeurs qui circulent partout concernant un étranger dans notre royaume qui fait des choses étranges. Ça jacasse. Écoutez, ma femme m'a dit que cet homme enlevait des clous et des épingles dans la jambe de Ozoma, l'épouse du défunt Amadi, qui a décidé son laisser d'enfant. Oui, elle m'a même dit que cette femme elle serait tombée en allant au champ et n'a pas pu marcher depuis lors. Elle se faisait même aider pour aller aux toilettes. C'est vraiment très grave. Cela démontre qu'il y a de mauvaises personnes dans notre royaume. Comment des clous et des épingles ont-ils pu rentrer dans la jambe d'un être humain? C'est l'œuvre des gens mauvais et méchants qui prennent plaisir à voir le semblable souffrir. Majesté, nous avons un problème sous la main et en tant que gardien de la tradition, il y a des choses qu'on doit faire, surtout pour le vol incessant des chèvres et des poules. Ces criminels sans vergogne qui sont parmi nous doivent être chassés et traités en conséquence. L'autre jour, j'ai appris qu'une femme qui a laissé sa chèvre, à un moment, n'a pas pu la retrouver. Donc, on doit faire quelque chose pour la discipliner. Majesté, je veux me référer à ce que les autres anciens ont dit au début concernant l'étranger qui est chez nous. Majesté, ne croyez-vous pas qu'on doit mieux connaître cet homme, disons son identité, son objectif et sa mission? Je ne crois pas que ce soit prudent, de notre part, d'ignorer ses actes. Et surtout, quand il y a des rumeurs qui disent qu'il parle d'un dieu plus puissant que nos propres dieux. Bien. Merci à toi, Onohu et les autres anciens. Merci. Vous avez tous grandement contribué à la sécurité de notre royaume. Et comme vous le savez tous, la justice demande qu'on ne juge pas du tout un homme dont on n'a pas entendu la voix. Donc, nous devons convoquer cet étranger et entendre ce qu'il a à nous dire. Eh bien, Igwe, si c'est ce que vous voulez nous dire, il n'y a pas de problème. C'est entendu. C'est ça un problème. Monsieur, voici ma femme, Angie Deka. Oui. Eh? Ceux-là, ce sont mes enfants. Vous connaissez déjà ma sœur Ozoma. Oui. Que vous avez guérie. Depuis que le mari de ma sœur est mort, elle se lamente, pleure. Et ça l'a mis très en colère. Et cela l'a poussée à rejeter tous les hommes qui viennent la demander en mariage. Et je suspecte que c'est l'un de ces hommes qui a empoisonné ma sœur et essayé de la tuer. Oui. Ouais. Nous vous remercions de l'avoir guérie. Et c'est pourquoi moi et ma famille, nous sommes venus vous remercier. Nous sommes venus vous remercier. On ne sait pas comment vous remercier. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous sommes prêts à faire tout ce que vous voulez que nous fassions. Hein? Oui.
Tous les remerciements et la louange reviennent au Dieu Tout-Puissant. Et ce n'est qu'à lui seul que nous devons nos vies, nos louanges et nos remerciements. Et ce Dieu dont je vous parle est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est lui qu'on appelle le Tout-Puissant, car toute la puissance lui appartient. Il nous aime tellement. Et à cause de cet amour, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à cause de cela, j'ose dire qu'il n'y a aucun être humain qui a le droit d'ôter une autre vie, car toutes les vies sont dans ses mains. Et puisque vous êtes ici et dites que vous êtes prêt à connaître ce Dieu, je vais vous le présenter pour que vous ayez accès direct à lui. Vous pourrez lui parler quand vous voudrez et avoir ses réponses. Monsieur, je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez dire par Dieu, oui. Votre Dieu et son Fils. Mais je sais une chose, vous êtes une bonne personne. Vous avez guéri ma sœur. Comme vous êtes un homme bon, ça signifie que votre Dieu est aussi quelqu'un de bien. Nous vous devons la vie. Oui. Alors, moi et ma famille, nous sommes prêts à faire tout ce que vous voulez que nous fassions. Oui, ouais. Oui. Mon Dieu est un Dieu oui. bon. Et il peut être votre Dieu. Il n'est pas un homme. Et c'est lui qui a guéri votre sœur. Et si vous dites que vous voulez le connaître, alors je vous conduirai à lui. Êtes-vous prêt? Oui, oui. Bien sûr, monsieur. Très bien. Veuillez vous mettre à genoux, s'il vous plaît. Oh, ok. Ouais. Oui. Et... Maintenant, répétez après moi. S'il vous plaît, votre chapeau. Veuillez l'enlever. À présent, répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aide-moi à toujours t'aimer et te servir. Aide-moi de toujours et toujours te servir. Amen. 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 Oh, Père Céleste, que ton nom soit loué. Merci pour ces gens que tu as accueillis dans ta maison. Accorde-leur la grâce de t'aimer et de toujours te chercher. Écoute-les quand ils t'appellent. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Dites Amen. 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 Bienvenue Amen. Dans la famille. Vous pouvez vous lever à présent. Félicitations. Félicitations, monsieur. Bienvenue. Prenez votre chapeau. Je veux que mon mec m'aime davantage. Je ne veux pas qu'il voie une autre femme. Et je veux aussi qu'il soit concentré uniquement sur moi. Il a promis de m'aimer. Je veux que tu fasses tout ce que tu peux pour qu'il me voie et m'aime encore plus. Et fais aussi en sorte qu'il oublie sa mère et ses sœurs. Je vais te donner tout ce que tu veux si tu parviens à le faire. Tu dis qu'il a promis de te marier? Oui, maître. Et tu as aussi dit que tu me donneras tout ce que je veux? Oui. Asuna kuna ukaye mulaka weli kimelo malo
Prends-y, arrache-le. N'aie pas peur. Tiens ça bien. Fais-y attention. Tu vois ce charme? Mets-le dans sa nourriture chaque fois que tu le feras manger. Et aussi dans son eau chaque fois qu'il voudra prendre son bain. Et tout ce que tu lui demanderas, il te le donnera. Merci beaucoup, maître. Hé, hey, okay. Viens ici. Ne veux-tu pas savoir ce que je demande en retour? Oh, donne juste ton prix, maître. Je vais payer. Allô, allô, voilà, c'est l'où? Je veux que tu sois ma femme. Quoi? Impossible. Être ta femme? Je t'ai dit de me dire le prix en argent. Je t'ai dit que je voulais pas de ton argent. Écoute, rappelle-toi. Tu m'as fait cette promesse. Devant ceci. Devant l'hôtel de mes ancêtres. Alors, ne joue pas avec moi. M'as-tu entendu? Dans ce cas, je ne suis plus intéressée par ton charme. Reprends-le. Hé, hey, jeune fille, viens ici. Viens ici. Il n'y a que les fous qui touchent la queue d'un lion, qu'il soit mort ou vivant. Ma fille Nick, ma seule fille Nick, Véronica, ma fille. Qui m'a fait ça? Pourquoi je suis revenue de la ville? Ce village est rempli de sorciers partout. Oh mon Dieu! Qui ai-je offensé? Qui ai-je offensé? Que quelqu'un m'aide! Oh Seigneur, aide-moi, je ne sais plus quoi faire. Que quelqu'un m'aide. Mon cœur est brisé, mon cœur est brisé. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Elle allait bien quand je l'ai vue sur un moto ce matin. Que s'est-il passé? Dis-le-moi. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire. Quand elle est rentrée, j'ai remarqué qu'elle n'était pas contente. Je lui ai demandé quel est le problème. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Ah. Parle-moi, s'il te plaît. Peu de temps après, j'ai entendu du bruit dans sa chambre. Dans la chambre de ma fille. Quand je suis arrivée là-bas, elle avait déjà commencé à enlever ses habits l'un après l'autre. Hey! Elle est sortie presque nue de sa chambre. Tout ira bien. Ah, la folie. Oh. Mon Dieu. Tout ira bien. Elle ira bien. J'ai crié au secours. Il y a des jeunes qui sont venus. L'enchaîner comme tu peux le voir. Voilà ma fille avec des jeunes. Qui ai-je offensé? Personne. Dis-moi qui ai-je offensé dans ce village? Elle ira bien. Pourquoi suis-je revenue? Le Seigneur va la guérir. Je ne sais pas qui j'ai offensé. Que le Seigneur me vienne elle en aide. Elle ira bien. Elle ira bien. Mon cœur est brisé, mon cœur. J'ai le cœur brisé, mon Dieu. Elle va. Je suis finie. Voisine. Voilà ma fille. Voisine. Voilà ma fille devenue folle. C'est bon. Je n'ai rien fait. Que se passe-t-il? Pourquoi moi? Ça va aller. Salut. Ne crains rien, béni du Dieu Très-Haut. Je suis Gabriel, qui se tient dans la présence du Très-Haut.
Lève-toi et va à un endroit où je te dirai. Une autre de mes filles a besoin d'être délivrée. Va sur le champ. Esprit de folie. Sors d'elle. Détachez-la. Elle est déjà guérie. Ah? Détachez-la. Ah? Oui. Lève-toi maintenant, fille de Dieu. Lève-toi. Va et ne pêche plus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es guéri. Ça va bien. Tu m'entends? Est-ce que tu peux me voir? Qui suis-je? Ma mère. Ma fille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas bien? Étranger! Étranger! Tu as eu les yeux plus gros que le ventre! Prépare-toi! C'est la guerre! Prépare-toi à m'affronter! Tu vas goûter au goût de mon venin! Ok, mono. Moi, je vais vous faire un peu de temps. Je vais Bonjour, Majesté. Je suis très honoré d'être ici, en votre présence et dans la présence de votre honorable conseil. Je dois avouer que. J'ai été très content quand j'ai reçu l'invitation. Car je sais que toute chose concourt à notre bien. Alors, Majesté, je suis là. Je vous écoute. Ouais, bienvenue, étranger. Tu as bien parlé. Avant de continuer, puis-je te connaître? Majesté, je m'appelle Jude Thaddée. Je suis le messager du Dieu Tout-Puissant. Et il m'a parlé et m'a dit d'apporter la bonne nouvelle du salut, pour rendre les captifs et les affligés libres du mal. Cher étranger, es-tu en train de dire que tu es le porte-parole de ce Dieu, tout comme notre grand prêtre est le porte-parole des dieux de notre royaume? C'est ce que tu es en train de dire? Je dirais oui à cela. Mais, Majesté, le Dieu dont je parle est le Dieu Tout-Puissant. Oui,
Il est le créateur de tout l'univers. Et il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Majesté, les dieux dont vous parlez ne sont pas des dieux. Oui, votre majesté, ils ne sont pas du tout des dieux. Ils sont fabriqués par des mains humaines. Majesté, le Dieu que je vous demande de servir aujourd'hui est le Tout-Puissant et il veut que vous veniez à lui. Haru, abomination, dont tu voudrais qu'on abandonne, qu'on laisse nos dieux, les dieux que nos ancêtres ont adorés, les dieux que nous avons adorés toute notre vie, et maintenant tu veux qu'on adore ton Dieu. Mais pourquoi? Monsieur l'étranger, dis-moi un truc. Ton Dieu là, où vit-il? Au ciel. Comment pouvons-nous adorer un Dieu que nous ne voyons pas et dont nous ne savons pas à quoi il ressemble? Le Dieu dont je parle est tout puissant. C'est un Dieu omniprésent et omniscient. Il est partout. Même à l'heure où nous parlons, qu'est-ce qu'il dit? Il est ici et il nous écoute. Il est esprit. Donc vous ne pouvez pas le voir. Un esprit? Étranger, ça nous rend plus confus. Je crois que nous devons reporter ceci un autre jour. Vois-tu, tu es en train de parler d'un dieu. Tandis que nous nous parlons des dieux, les dieux de notre royaume. Nous construisons des maisons pour ces dieux-là. Et ils sont servis par nos atidikés. Hein? Vois-tu, nos dieux nous donnent des récoltes abondantes. Oui! Oui! Et ils livrent bataille pour nous. Oui! Ils ne combattent pas seulement nos guerres, mais ils gagnent nos guerres, toutes nos guerres. Êtes-vous sûr, Majesté? Mais bien sûr! Parce que le Dieu dont je parle est le créateur du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a créé toutes choses, la pluie, les oiseaux, les poissons, tout. C'est lui qui donne tout ce que vous croyez que ce sont vos dieux qui vous donnent. Majesté, je voudrais que vous jugiez ceci par vous-même. Vous utilisez vos mains pour tailler la pierre, sculpter le bois et vous prosterner devant cela. Votre Majesté, c'est insensé. Majesté, je n'oserais jamais vous traiter d'idiot. Je dis simplement que l'acte de se prosterner devant ces images de serpents, scorpions, tout cela n'est pas approprié pour un homme intelligent comme vous. Votre Majesté, le Dieu dont je parle est le suprême, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a fait l'univers et il est le Dieu qui est en charge du passé. Il est en charge du présent et il restera le même à toujours. Majesté, je pense que c'est devant ce genre de Dieu que vous devez vous prosterner et à qui vous devez remettre vos vies. Pas des images de serpents, de scorpions, de tortues, de rats. Non, votre Majesté. Le Dieu dont je vous parle est puissant, mais miséricordieux. Il est à craindre dans sa splendeur. Répentez-vous. Aujourd'hui pourrait être votre dernier jour. Répentez-vous et venez vers le Dieu Tout-Puissant, le seul et l'unique, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui vous donne la vie. C'est lui qui détient le souffle que vous respirez. Répentez-vous. S'il retirait son souffle, aujourd'hui, vous ne serez plus. Donnez-lui vos vies et détournez-vous de vos mauvaises voies, de la malversation et de la corruption. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Détournez-vous de la ruse et de la tromperie. Détournez-vous de la convoitise. Détournez-vous de tous vos actes de méchanceté. Détournez-vous de l'idolâtrie et de l'adultère. Cessez d'adorer les dieux de pierre et les dieux de bois. Arrêtez cela et venez au Seigneur.
Répentez-vous aujourd'hui, car si vous mourrez aujourd'hui, vous irez dans le lac de feu. Mais si vous vous répentez et lui donnez votre vie, quand votre vie viendra à sa fin, vous serez heureux avec lui dans le royaume de son cher fils. Vous vous réjouirez avec lui dans le royaume des cieux, où il y a la joie, les chants de louanges et des réjouissances pour toujours. Venez à lui, vous qui avez volé, et il vous pardonnera. Venez à lui, vous qui avez dupé l'autre, il vous pardonnera. Venez, le Seigneur vous pardonnera. Mais si vous refusez, vous souffrirez dans le lac de feu. Venez, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez à lui aujourd'hui, car il vous aime. Il vous aime de tout son cœur. Et il vous aime de tout son être. C'est pourquoi il a donné son Fils unique pour mourir pour vos péchés, pour vous libérer de l'emprise de la mort. Répentez-vous aujourd'hui. Répentez-vous et n'endurcissez pas vos cœurs. Répentez-vous. Oui, toi, viens. Viens. Tu veux confier ta vie à Jésus? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? On y va. Tu ne peux pas partir sans me donner quelque chose. Tu ne peux pas me tenter et croire t'en tirer facilement. Je ne peux jamais retourner. Je ne vais pas retourner. Rentrer. Et rentrer en arrière, c'est interdit. Je ne peux pas rentrer en arrière. Je m'en vais à l'avant. C'est l'avant qui est mieux que l'arrière. N'importe quoi. Eh ouais, laisse les dieux. Maintenant, j'ai une réunion avec les dieux. Je veux savoir ce qui se passe dans cette communauté. Je veux communiquer avec les dieux. Écoutez-moi très bien. Je ne représente pas les hommes et les femmes. Dieu du tonnerre, Dieu du feu, que la réunion commence. Vous ne pouvez pas faire une réunion sans moi dans cette communauté. Répentez-vous. Répentez-vous, car aujourd'hui pourrait être votre dernier jour. Et si vous mourrez sans lui avoir donné votre vie, à lui qui détient l'avenir, votre sort sera scellé. Le vin donne la joie. La bouteille est mon ami. Si tu me rencontres en haut ou en bas, c'est que ce n'est pas moi, je t'assure. Écoute, je connais tous les saints. Jacob, je le connais. Moïse, je le connais. Toi, qui es-tu? Nye, nye, nye. Arrière de moi, Satan. Tu sais quoi? Tu n'es qu'un funambulesque et lucubrateur de pacotille. Va chercher dans le dictionnaire. Mais en attendant, dégage de mon chemin, espèce de salaud. Toi, esprit d'ivrognerie, sors! Lève-toi. Lève-toi, fils du Très-Haut. Lève-toi, tu as été délivré. Tu as été délivré.
Répentez-vous! Aujourd'hui pourrait être la fin. Répentez-vous! Car il nous a donné le choix. Ne choisissez pas la condamnation aujourd'hui. Ne choisissez pas la mort aujourd'hui. Ne choisissez pas l'angoisse éternelle. Répentez-vous. Répentez-vous. Car il vous aime. Répentez-vous. Car il se soucie de vous. Répentez-vous. Car il est votre créateur. Dieu est le Tout-Puissant. Et il a de bons plans pour vous. Cet étranger doit être chassé de cette communauté immédiatement avant qu'une calamité ne s'abatte sur ce royaume. C'est un espion envoyé pour découvrir nos faiblesses lorsque nos ennemis nous attaquent. Comment le roi peut-il laisser un tel individu dans ce palais où il y a des secrets de notre trône? Écoute, le grand prêtre, cet étranger n'est pas venu au palais de sa propre initiative. Nous l'avons convoqué pour mieux le connaître. Et ceci après avoir entendu la nouvelle. Des bonnes choses qu'il est en train de faire dans cette communauté. Oui, oui. Et il sauve des vies. C'est une bonne chose. Il a sauvé la vie d'Uzoma. La femme du défunt Amadi. Ainsi que la sœur de Mazi Udoka, d'une mort précoce. En retirant des épingles ainsi que des clous sur sa jambe. Exactement. Il a même guéri une jeune femme de la folie. Oui. Oui. Et comment les dieux peuvent-ils nous demander de chasser un tel homme qui fait beaucoup de bien et sauve des vies dans toute notre communauté? Majesté. Oui. Cet homme est un imposteur et un magicien. C'est pour cela qu'il fait toutes ces choses que vous avez mentionnées. Il doit être chassé de cette communauté avant qu'il ne soit trop tard. Tu me donnes des ordres. Oui, je vais quand même courir le risque. Et j'en prends l'entière responsabilité de tout ça. Mais je te rassure, à la moindre occasion où je découvre que cet homme est malsain, je ne vais pas simplement le chasser. Je le ferai correctement torturer et lui forcerai à révéler tous les secrets qu'il connaît. Ok? Le Christ vous appelle. Jésus vous appelle. Et il vous dit à tous, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mon nom a changé de gourou à Paul. Vous vous demandez comment est-ce que c'est arrivé. Mais je vous le dis, la seule chose qui est permanente dans la vie, c'est le changement. Jésus vous appelle. Il vous dit de venir à la maison. Abandonnez vos péchés. Abandonnez vos mauvaises voies. Venez à Jésus. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Jésus nous dit à vous et à moi, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, abandonne absolument tout et cherche ma face, j'entendrai leurs cris et pardonnerai leurs iniquités. Je les exaucerai des cieux. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Il vous appelle. Il vous appelle. Boudin ma bouyene me ma bonike. Diwanaru waka. Diwananu mae. Toi qui as été un ivrogne hier. Ougourou, regardez Ougourou l'ivrogne. Mais aujourd'hui, Paul vous dit ceci. Abandonnez votre vie d'ivrogne. Abandonnez vos péchés. Et venez à Jésus. Venez à Jésus. Il est le chemin. Jésus est le chemin. Ndi me, agetinya kanobi,
Et mon ami, on aura tout vu dans ce monde. Qu'y a-t-il? Sais-tu qui j'ai vu quand je venais ici? Bible à main et prêchant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoute, le gourou que j'ai vu était totalement transformé. Ah bon? Il était si bien habillé que j'ai failli ne pas le reconnaître, mais j'ai remarqué sa voix. Laisse cette affaire de gourou, n'y fais pas attention. Il reviendra boire avec nous. Donne-lui juste à moi. Ah, je ne crois pas. Pas le gourou que j'ai vu là-bas. Il était totalement transformé. Totalement transformé. Et qu'en fait, j'ai eu honte de moi-même. Regarde, je te dis, laisse gourou tranquille, tu sais quoi? Ce n'est pas la première fois que gourou jure de ne plus boire. Je te dis, j'ai tellement honte de moi, au point où j'ai dû me cacher pour qu'il ne me voie pas. Je te le dis, redis, c'est pas la première fois. Il a toujours dit qu'il arrêtait de boire quand il croulait sous les problèmes. Il a perdu sa copine à cause de l'alcool. Elle continue de venir ici. Tout ce que tu vois, c'est rien. Il va revenir. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne crois pas. Le temps nous le dira. On verra. Le temps nous le dira. S'il te plaît, buvons. Laissons cette affaire de gourou, nous sommes ici. Ibé! Je t'ai prévenu, mais tu as refusé d'écouter. Je t'ai vexé de ne pas entrer dans ce champ, mais tu m'as pas écouté. Tu t'es attiré des ennuis à cause de ton entêtement. Quand la mort attrape un chien, ça l'empêche de sentir l'odeur de sa selle. Bah, tu vas payer cher le prix de ton entêtement. Écoute, je t'envoie un étrange visiteur. Accueille-le. Pars! 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 Bruma! Hakuya! On va laisser dans, non? On va laisser dans, non? Oui, tu sais, je n'en ai pas dit, tu sais. Quand la mort attrape un chien, elle l'empêche de sentir l'odeur de ses propres selles. Et c'est ce qui t'arrive. Aïe, 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 aïe. Quoi? Pars! 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 Mon pied. Hé, hey, venez me dire. Mon pied. Hé, hey, mon pied. Mon pied. Hé, hey, mon pied. Mon pied. Que quelqu'un vienne me dire, s'il vous plaît. Mon pied. Hé. Hey. Je
Me voici, Seigneur. Va rapidement sur la route qui mène à la rivière. Tu rencontreras deux os qui portent la main. Tu dois très vite le guérir. Vas-y sur le champ. Mon pied. Mon pied. Oh. Mon pied. Oh. Et oh. Et Zemuo saura, saura ce qui t'est arrivé. Mon pied. Mon pied. Oh. Ah. Et oh. Mon pied. Ah. On va t'amener courage. Chez Zemuo. Courage, pied, oh. Mon frère. Courage. Vas-y doucement. Mon pied. Oh. Désolé. Désolé. Ah. Oui. Ça va aller. Mon pied. Ça va aller. Ça va aller. Ah. Oui, mon pied. Désolé. Yeah. Oh. Eh. Mon pied. Eh. Mon pied. Oh. Mon pied. Eh. Eh. Oh. Je commande à toute espèce de poison dans cette jambe, tout poison dans ce corps. Pars maintenant. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Je vais bien, je ne ressens plus aucune douleur. Tu vas bien? Je vais bien. Vraiment? Je vais bien, oh. Que s'est-il passé? Que l'avez-vous fait? Je ne ressens plus aucune douleur. Bouge ta jambe. Je ne ressens plus la douleur. Je ne ressens plus aucune douleur. Hey, je ne ressens plus rien. Essaye de sauter, merci. Je vois. Je ne ressens merci. Plus. Merci. Je ne ressens ne me remerciez pas. Merci, merci, monsieur. Ne me remerciez pas. Remerciez le Dieu Tout-Puissant, merci, Créateur de l'univers. Merci, car monsieur. Il n'y a que lui, merci, monsieur, qui a pu faire ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Il mérite vos adorations et louanges. Ok, les gars. Allons terminer le travail. Oui, allons-y. Allons-y, je vais bien. Allons-y. Allons-y, je vais bien. Mais qui est cet homme, dis-moi. Oui, allons-y. C'est ce monsieur. Hein? Tu vas bien? Tu vas bien? Je vais bien. Je peux courir. Hein? Je ne sais pas. C'est un étranger. Comment pouvons-nous rester ici, se taire? Et ne rien faire! Alors qu'un étranger vient d'entrer dans notre communauté et détruit tout, détruit nos affaires! Et tu dis qu'on reste tranquille? Ne vois-tu pas que les gens ne croiront plus en nous? Ils ne viendront plus nous consulter si nous n'arrêtons pas cet homme! Ezemo, tu crois que je n'ai pas essayé? Ezemo, tu sais le nombre incalculable de fois que j'ai essayé de détruire cet homme avec mes sorts maléfiques, sans succès! Ezemo, sais-tu que j'ai même essayé d'entrer dans sa grande résidence? En vain! Je le soupçonne d'abriter un pouvoir bizarre en lui. Ezemo, cet homme semble intouchable physiquement. Tu sais, tu dis avoir essayé. J'ai essayé plus de fois que toi d'atteindre cet homme, mais sans succès. Écoute, chez chaque homme, il y a un tendon d'Achille, un point vulnérable de son corps qui peut être touché. Tu comprends? Ezemo... Écoute, faisons un plan. Je crois qu'atteindre cet homme n'est pas aussi difficile qu'on le croit. Que penses-tu de recruter des bandits pour l'éliminer? Ezemo. Oui. T'as dit des bandits? Oui. Ezemo, nous ne sommes pas en train de parler d'un fermier ou d'un simple pêcheur. Ezemo, nous sommes en train de parler d'un homme qui ne peut être touché par nos pouvoirs. Ezemo, pourquoi tu as pensé à... Pourquoi tu parles de recruter des bandits? Que peuvent faire les bandits contre lui? Un bandit peut-il te tuer? Ezemo, mais tu plaisantes ou quoi? Écoute, d'où je tire mon idée. Cet homme marche partout tenant un bâton. Partout il va, il le traîne avec lui. Tu sais, cela m'a fait réaliser que ce bâton a des pouvoirs qui protègent cet homme. Lorsqu'on recrutera des bandits qui attraperont cet homme et détruiront ce bâton, alors on pourra l'atteindre et lui enlever ses pouvoirs. Ezemo. Adele, non. Apioko. Ouais. Arinho. Ezemo. Arinho. Ezemo. Alors, quand veux-tu qu'on le fasse? Laisse-moi réfléchir à cela. Mon cerveau est allumé. Laisse-le travailler. Ezemo. Arinho. Ezemo. Adele, non. Ah bien. Assis-moi les kenyers que fais-le, nous. Arinho.
Bah si moi quoi que. Aga, Ejike. Ezi jinde kedima. Imela no bati. Viens. Comment tu vas? Viens me donner mon argent. Fais vite. Cette chèvre est moins chère, je t'assure. Donne-moi l'argent, s'il te plaît. Tu continues cette histoire de vol? Écoute, laisse-moi te dire ceci. Je ne fais plus dans ce genre d'affaires désormais. Désormais, je suis un chrétien né de nouveau. Non. Ici, c'est le business. Je ne suis pas là pour parler de christianisme. Donne-moi l'argent. Je vais te dire autre chose, mon ami. La Bible dit, tu ne voleras pas ce qui ne t'appartient pas, ni prendre ce qui ne t'appartient pas. Maintenant, je fais l'élevage. Tu vois ce que le Seigneur a fait pour moi? Ok. Tu peux m'indiquer que je suis un de tes amis qui peut acheter vite ses chèvres. J'ai besoin de cet argent, s'il te plaît. Ce soir, j'ai besoin de cet argent. Tu devrais me demander de te présenter à mon Jésus-Christ. Ainsi, ta vie changera en bien. Mec, écoute, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas à quel point j'ai besoin de cet argent. Tu ne comprends pas. Réponds-toi! S'il te plaît, ne m'embrouille pas. Réponds-toi! Je t'aurais prévenu. Réponds-toi, mon ami. Mon ami, Ogoro. Now, hein? Tu es tout beau là. Regarde comment tu brilles. Frère Paul, Ogoro appartient au passé. Vois-tu, les choses anciennes sont passées. Je suis désormais une nouvelle créature. Oui. En fait, je préfère même ce Paul à Ogoro. Tu sais ce que ça veut dire, Ogoro, dans notre langue? Je sais. Non, je venais comme ça te voir. Ah, ok. Tu es le bienvenu. Ekwe et moi, nous parlions de toi depuis. Tu sais que tu étais mon client numéro un. Mais depuis que tu suis ce Jésus, plus personne ne vient chez moi. Vois-tu, j'ai goûté du très bon vin. Meilleur que le mien? Oui, et c'est le sang de Jésus. Et j'aimerais que tu goûtes aussi ce bon vin. Mon frère, c'est pour ça que je suis là. Je vais te suivre. Je vais te demander autre chose. Avec mon vin de palme, là, que j'ai déjà cueilli, une personne peut toujours aller chez ton Jésus ou dans ton église, là? Bien sûr. Je peux venir? Oui. Tu sais, vendre du vin n'est pas un péché. Puisque c'est ton business, ça devient un péché quand tu le vends à une personne qui est déjà ivre pour rendre la personne encore plus ivre. Et même pour toi, c'est un péché de boire jusqu'à perdre la raison. C'est vrai, ça? Oui. Hein? Ouais. Je m'en vais à la prière. Ouais, je m'en vais à la prière. Est-ce que je peux venir avec toi? Non, pas aujourd'hui. Demain, je viendrai t'appeler pour qu'on y aille ensemble. Aujourd'hui, il y a une réunion spéciale. D'accord, je ne vais pas ouvrir mon bar. C'est bien. Désolé, frère Paul. Écoute, Clément, mon frère, je commence à croire que l'arrivée de cet étranger dans cette communauté est la meilleure chose qui me soit arrivée à notre peuple. Que veux-tu dire? Ne vois-tu pas ses œuvres philanthropiques? Comme payer la scolarité à des enfants qui ne vont pas à l'école par manque d'argent. Il a même aidé la veuve qui est au fond du village pour l'aider à établir un business de plantains et de maïs au bord de la route. Au moins pour l'aider à s'occuper d'elle et de son seul enfant. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très louable. Il doit être encouragé pour en faire plus. Plutôt que de le chasser de cette communauté, comme le suggère le grand prêtre. Ne devons pas le chasser. Ça m'étonne vraiment. Oui. J'apprends beaucoup de très bonnes choses sur cet étranger. Et j'en suis grandement impressionné. Au vu des rapports que vous m'avez faits et mes enquêtes personnelles, je crois que il veut du bien à notre communauté. C'est vrai. C'est très sage. C'est vrai. Je ne crois pas une seule seconde qu'il est un imposteur ou encore un espion, comme l'a sous-entendu le chef prêtre. Vous avez bien raison, Igwe. Il est évident que le chef prêtre a des raisons personnelles
Oui. Oh oui. Que l'étranger reste ici. Vous avez raison, Igwe. Oui. Oui. Igwe, vous avez raison. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, Igwe. Igwe, vous avez raison. La mort qui avait tué un chiot ne lui permettra pas de percevoir l'odeur. Laissez-la. Roi Abana, quand tu veux désobéir à mes directives sur le fait de chasser cet étranger, tu veux m'exposer. Je vais te donner une leçon amère. Personne ne peut toucher la queue de Mamba et vivre pour raconter l'histoire. Tu es sur le point d'expérimenter le poison venimeux de Mamba Noir. Okwo! En réalité, je vous ai convoqué ici pour cette concertation, pour voir une possibilité de collaboration avec l'Église. C'est une très bonne idée. Car j'ai appris qu'il y a une grande église catholique là-bas où il vient. Ça serait vraiment magnifique. C'est vraiment merveilleux. C'est bien. Qu'il a une très grande famille de l'église d'où il vient. Oui, c'est bien. C'est bien, oui. C'est bien. Oui, oui, nous devons vraiment le faire. Igwe, 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 non, 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 Igwe, que se passe-t-il? Igwe, ne faites pas ça, non, non, il est mort, non, Igwe, que se passe-t-il? Non, Igwe, non, non, ancien du royaume d'Osiko, je sais pourquoi vous êtes ici. Mais laissez-moi vous rappeler que votre devoir en tant qu'ancien au palais est de contenir les excès du roi. Surtout quand il refuse ouvertement d'écouter les voix des dieux. Je l'ai prévenu de chasser cet étranger avant qu'une calamité ne s'abatte sur nous. Mais il n'a pas écouté, ni tenu compte de mon avertissement. Oracle des dieux! De grâce, qu'allons-nous faire pour l'état de santé de Sa Majesté? Qu'allons-nous faire, par pitié? Vous n'allez rien faire. Les dieux sont impliqués. Personne ne doit intervenir. Sinon, vous encourez la colère des dieux. Et soyez prévenus. Sous aucun prétexte, ce de quoi le roi souffre ne doit être rendu public. Et plus grave encore, cet étranger ne doit pas mettre son pied au palais. Sous prétexte de venir prier pour le roi. Le jour où on le laissera entrer au palais, le roi mourra. Oh non, qu'est-ce qu'on fait? Le Très-Haut a décidé de prononcer son jugement sur les dieux de ce royaume. Tu iras détruire les idoles et les images qu'ils adorent. Et exécuter son jugement sur eux. Sois courageux. Ne crains pas les prêtres maléfiques qui rôdent autour et crachent le feu. Car le Très-Haut a promis de te protéger et te guider.
Quoi? Qu'est-ce que... Qui a fait ça? Non! Bon, écoutez les gars, l'argent n'est pas un problème, encore moins un souci. La question est, pouvez-vous faire ce travail? Maudit bien, aisez-moi. Je vous ai dit qu'avec la bonne somme d'argent, ne vous en faites pas, cet homme est plus mort qu'un rat mort. Je vous donne ma parole. Dites-nous quel homme vous voulez qu'on élimine. C'est un prédateur! Cet idiot de prédateur passe tout son temps à détruire le gagne-pain des villageois. Oh, celui-là, c'est du gâteau. Donnez-nous juste des informations. Et donnez-nous beaucoup d'argent. Le fric, il est très important. Vous savez, l'argent est le nerf de la guerre. Bien. Écoutez les gars, à la même heure demain, je vous donnerai les détails concernant cet homme, ainsi qu'une partie de votre argent. Et quand le travail sera terminé, vous aurez le reste. On est d'accord? Les gars, écoutez ceci. Il y a une chose que vous devez savoir, et pas des moindres. Écoutez-moi attentivement. L'homme que vous devez tuer n'est pas un homme ordinaire. Laissez-moi vous dire ceci. Vous ne pouvez pas utiliser des trucs comme du charme, des gris-gris ou quoi que ce soit dans le genre. Même les couteaux ou les pistolets ne l'atteignent pas. Vous m'entendez? Alors, son pouvoir se trouve dans son bâton, dans ce fameux bâton qu'il transporte avec lui où qu'il aille. Ceci dit, vous devez trouver le moyen de récupérer ce fameux bâton. Et vous pourrez même le frapper à mort avec son bâton. Vous m'entendez? Bien sûr. Cette information est vraiment importante. Bien sûr, ne vous en faites pas. Tout est en place. Je vous assure, je vous donne ma parole. Ezemo Moudibia. ne vous en faites pas. Nous sommes des experts dans ce que nous faisons. C'est notre travail. Ce mec est aussi froid qu'un rat mort. Assurez-vous juste que notre agent soit complet. D'accord, c'est clair. Très important. Très important. Très important. Je ne veux pas de la rhétorique. Je veux des actes. Bonne nuit. A Fiego. Et c'est moi. Ne t'en fais pas. Ok, d'accord. On fait comme on a dit. Ok. Mon frère, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le grand prêtre insiste qu'aucune aide ne soit apportée à sa majesté. Hein? Mais bon sang, le roi est malade depuis 3 bonnes semaines. Aucune aide ne lui est apportée. Hein? Et le roi a vraiment besoin de guérison en ce moment. Pourquoi? Je ne comprends même plus les choses de ces dieux. Je ne comprends rien. Ça, c'est si les dieux sont à l'origine de la maladie du roi. Oui. Que veux-tu dire? Serais-tu en train d'insinuer que le grand prêtre est derrière tout ça? Je n'insinue rien du tout. Mais les faits sont très évidents à nos yeux. D'abord, il a ordonné au roi de chasser l'étranger. Quand sa majesté a refusé, il a soudainement frappé avec la paralysie de la surdité. Le même grand prêtre nous interdit de chercher de l'aide pour le roi. Même dire aux gens que le roi est malade. Mais qu'en penses-tu? Tout ce puzzle est en train d'être résolu. Ce que tu as dit a vraiment du sens. Je commence à comprendre ce que tu voulais dire. Le grand prêtre fait sûrement une vendetta personnelle contre le roi pour avoir refusé de céder à ses menaces. Pourquoi peut-il nous interdire de chercher de l'aide en dehors de la communauté? Nous avons de très bons herboristes dans les villages voisins qui peuvent guérir notre roi. La soudaineté de l'attaque est aussi suspecte pour moi. Oui. Notre roi n'était pas malade avant. Et soudainement, en plein débat avec les membres de son cabinet, il arrête sa poitrine, a le souffle court et s'évanouit. Que penses-tu de ça? Il y a un truc louche qui se trame. Avant, je ne comprenais absolument rien, mais maintenant, je pense que... Merci. Je t'assure, tout ça est très louche. Vois-tu? D'ici demain, je veux que tous les quatre
Les anciens se rencontrent au palais. Informons les autres chiefs pour qu'on se retrouve demain au palais. Je le ferai. Dans quelle mesure on peut aider notre Altesse Royale. Je le ferai, Chief Foucault, je le ferai. Tu dois aller au palais sur le champ. Le roi t'attend là-bas. Le message pour le roi doit être donné urgemment. Ne perds pas de temps. Que la paix soit dans ce palais. Étranger, que fais-tu ici? Tu n'es pas censé être ici. Je t'en prie, pas immédiatement avant qu'une catastrophe ne s'abatte ici. Va-t'en! Calmez-vous. Je viens en paix. J'étais chez moi. Le Dieu Tout-Puissant lui-même a envoyé son ange vers moi. Et il m'a dit de venir rapidement au palais car le roi a besoin de mon aide. À présent, je comprends pourquoi. Père Céleste, glorifie ton Fils. Amen. Igwe, Igwe. Attends. Igwe, Igwe, tiens-moi. Igwe. Qu'est-ce que je fais ici? Vous ne faites pas. Vous en faites. Amenez-moi à mon trône. Entendu. Venez. Debout, votre majesté. Aidez-moi. Oui, Majesté. Nous étions juste en train de parler de toi et du bon travail que tu fais dans cette communauté. Attends une minute. Pourquoi est-ce que tout le monde reste calme? Hein? Oh no! Quelqu'un peut-il me dire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté, vous étiez dans un état inconscient et paralysé depuis plus de 4 semaines. Et vous nous parliez des bonnes œuvres de l'étranger. Et soudainement, vous avez arrêté votre poitrine. Et vous aviez de la peine à respirer. Et vos yeux étaient devenus très blancs. Et puis, vous vous êtes évanoui. Ah, Dieu de nos ancêtres! Que quelqu'un me dise que ce n'est pas vrai! Pendant 3 bonnes semaines, j'étais dans le coma. Et qu'est-ce que le grand prêtre, l'oracle du Dieu de nos ancêtres, a dit?
Donc, ça veut dire qu'on aurait pu avoir une évasion étrangère pendant que j'étais dans le coma. Que serait-il arrivé? Igwe, le grand prêtre nous interdit d'amener quelqu'un pour vous aider. Surtout l'étranger. Oui. L'étranger? Et pourquoi est-ce qu'il est là? Majesté, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers, a envoyé son ange vers moi et m'a dit de venir directement au palais car vous aviez besoin de mon aide. Que son nom soit loué. Alléluia. Grâce à Dieu, vous êtes guéri maintenant. Que fait-il ici? Je vous ai prévenu qu'il ne mette jamais ses pieds ici. Maintenant que vous avez désobéi à la voix des dieux, un sort pire vous attend. Silence! Tu es le vrai problème de cette communauté. Et tu prétends parler au nom des dieux de nos ancêtres. Tu ne voulais pas du tout que cet étranger vienne ici, afin qu'il n'expose pas ta méchanceté. Tu es le vrai diable qui cause tous les problèmes dans cette communauté. Et j'ai compris tout ton jeu. Bon, très bien. Si je suis l'oracle des dieux, ce que j'ai dit s'accomplira. Et si je suis loin de Dieu, je te donne 3 jours pour abandonner tes mauvaises voies et venir à Dieu. Le seul vrai Dieu, sinon, tu mourras. Alors nous verrons. Et jusqu'à quand continuerez-vous de balancer entre deux choses? Choisirez-vous vos dieux de pierre et de bois ou choisirez-vous le créateur de l'univers, le créateur de toute vie? Choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Mais c'est maintenant que vous avez reçu votre argent et les détails. C'est l'homme. Sans entre vos mains. Je veux un travail bien fait. S'il y a quoi que ce soit qui empêchera ce plan d'être parfait, je vous en prie, dites-le-moi maintenant. Pour qu'on règle cela. Ceci est très important. S'il vous plaît, les gars, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans les informations qu'on vous a données, de grâce, faites-le nous savoir maintenant. Car ce que nous voulons, c'est un travail de qualité. Scorpion, ce que nous voulons, c'est un travail propre. C'est vraiment crucial. Aisez-moi. Maudit bien. Vous n'avez rien à craindre. Les infos détaillées que vous nous avez données seront étudiées. Et moi-même, j'ai pris de mon temps pour étudier les activités de cet homme. La route qu'il emprunte quand il va en ville et la route qu'il emprunte quand il rentre de la ville. Exactement. L'heure à laquelle il va en ville et l'heure à laquelle il rentre. Tout est déjà préparé. Je vous Une dernière chose. Continue. J'ai conçu des possibles plans de capture et d'exécution. Voilà. Donc, tout est déjà préparé. Et je crois qu'avec un peu de chance de mon côté... Bien. Ce job sera un succès et cet homme, c'est un rat mort. Je suis extrêmement content de cette assurance que tu nous donnes. Assure-toi que tout se passe bien. Assure-toi que tout se passe bien. Partez. Baba. Oui. Baba. Oui. Il est déjà mort. Ok. Qui a accouché la proie qui va nous échapper? Bonne question. Hein? Est-ce que cette personne existe? Ah ouais. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Exactement. Alors, nous avons besoin que vous fassiez un travail vraiment propre. Pas l'ombre d'une trace. Pas d'investigation de qui que ce soit. S'il vous plaît, Scorpion, tu sais de quoi je veux parler? Maudibia, ne t'inquiète pas. Nous sommes des professionnels. Le job est fait. Cet homme est déjà mort. Voilà ce que je veux que vous croyez. Super. Aisez-moi. Bonne nuit.
Bonne nuit. Et Zemo, le grand des grands. Moi, t'es bien. Les grands maîtres. Monsieur l'étranger. Majesté. J'ai beaucoup réfléchi sur les événements de ces derniers jours. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il y a un être suprême quelque part, qui a le total contrôle et qui gouverne les petits dieux. En conclusion, moi, ainsi que mon conseil, avons décidé de donner notre allégeance à ce grand dieu et le servir à partir de maintenant. Je t'en prie, dis-nous un peu ce que nous devons faire afin d'être acceptés par ce grand dieu dont tu nous as longtemps parlé. Majesté, merci. Loué soit Dieu, que la gloire lui revienne. Loué soit son puissant nom. C'est lui-là qui a créé la terre et le ciel. C'est lui qui a fait l'univers et tout ce qui s'y trouve. Notre créateur, vous et moi, le détenteur de la vie. Votre Majesté, je suis extrêmement content. Majesté, c'est très simple. Ce que vous avez à faire pour suivre ce très grand Dieu dont je vous ai parlé, le Tout-Puissant lui-même. Tout d'abord, Majesté, vous devez l'aimer et l'adorer de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toutes vos forces. Et ensuite, Majesté, vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Qui est votre prochain? Votre prochain, c'est quiconque est dans le besoin, dont vous avez l'accès et la capacité d'aider. Voilà qui est votre prochain. Vous devez aussi aimer et respecter les pauvres, parce que le Dieu dont je vous parle vous aime tous de la même manière. Alors nous aussi, nous devons traiter ces personnes que nous considérons comme moindres parmi nous de la meilleure façon possible. Majesté, si nous avons deux vêtements et nous voyons quelqu'un qui n'en a pas mais qui en a besoin, nous devrions être capables de lui donner un. Si nous devons faire des affaires avec qui que ce soit, on doit agir avec honnêteté et justice. Nous ne devons pas extorquer les pauvres. Nous ne devons pas les duper, les menacer ou les opprimer. Car quiconque opprime les pauvres ne restera jamais impuni, parce que le Tout-Puissant va toujours les protéger et les défendre. Votre Majesté, c'est vraiment très simple. Mais l'une des choses les plus importantes que nous devons faire, c'est d'accepter d'être baptisé pour que nous soyons pleinement acceptés de lui. Monsieur l'étranger. Majesté. Qu'est-ce que nous retient maintenant? Je t'en prie, nous le voulons. Je t'en prie, prie pour nous. Dieu soit loué. Majesté, vous savez, selon la tradition, quand vous tombez d'accord et que vous scellez cela, vous le décrétez, et tout le monde pourra dire « Issé ». Majesté, et si on remplaçait par votre permission « Issé » par « Alléluia » ou « Amen », ce sont là les mots que notre Dieu accepte comme des mots d'accord. Alors, quand je dis « Loué soit Dieu », vous répondez « Alléluia ». Mais est-ce que nous pouvons dire « Alléluia » sans toutefois que nous soyons baptisés? Oui, Majesté, oui, on le peut. « Loué soit Dieu ». Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Oui. Igwe, longue vie à vous, Igwe. Pourquoi débarques-tu dans mon palais ainsi? Igwe. Qui est-ce qui te pourchasse? Igwe, le grand prêtre est mort. Le prêtre en le chef. Grand prêtre. Mort? Oui. Le grand prêtre est mort. Hein, quoi? Il a été découvert par des chasseurs de nuit devant son grand hôtel, avec le ventre bien gonflé. Le prêtre en chef. Je vous assure. Oui, monsieur. Mort. Hey! Allez, mec! Le grand prêtre est mort. Tu peux t'en aller maintenant. Jésus. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Ta science sur terre est éternelle.
Aujourd'hui, tu sortiras, comme d'habitude, pour prêcher, mais tu ne rentreras pas. Dieu veut que tu rentres dans son royaume pour un repos éternel. Et t'a préparé une belle place et une récompense dans son royaume. Et tes œuvres sur terre seront bénies. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Répentez-vous! Répentez-vous et donnez-lui vos vies! Donnez vos vies au Dieu Tout-Puissant, le détenteur et le propriétaire de la vie. C'est lui qui a créé le souffle! Car le jugement arrive! Notre Dieu, mon Dieu, est très puissant mais miséricordieux! Il vous donnera la vie si vous vous répentez! Il changera vos destinées! Mais si vous ne vous répentez pas, votre destinée sera la condamnation éternelle. Répentez-vous, car il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient la mort, le jugement. Dieu est tout-puissant et miséricordieux, mais terrible. Car tous les êtres vivants sur terre existent par sa volonté. Si vous vous répentez aujourd'hui, vous entrerez dans son royaume. Mais si vous refusez, vous ferez face au jugement. Venez à lui maintenant tant qu'il est temps pour que vous échappiez au jugement de vos vies. Répentez-vous aujourd'hui, alors vos vies seront épargnées pour l'éternité. Répentez-vous et recevez le salut. Répentez-vous et échappez à l'horreur de l'enfer. Répentez-vous, car le Dieu vivant arrive avec puissance et fureur, et il jugera les vivants et les morts. Répentez-vous et donnez-lui vos vies. Répentez-vous et recevez le salut. Répentez-vous pour que vous échappiez à l'horreur qui arrive. Répentez-vous et sauvez votre propre vie. Répentez-vous et donnez-lui vos vies. Donnez-lui vos vies mortelles. Donnez-lui vos vies, car il délivrera les siens. Mais si votre vie n'est pas entre ses mains, vous êtes son ennemi. Vous ne voulez pas être l'ennemi du Très-Haut. Vous ne voulez pas être l'ennemi du Roi des Rois. Hey, arrête-toi! Avance! Prédicateur, dis tes dernières prières. J'étais avec vous, mais vous n'avez jamais levé la main sur moi. Mais, à présent, c'est votre heure et le règne de la puissance des ténèbres. Mes amis, faites ce que vous avez à faire et faites-le vite. Faites-le vite. Très bien, prédicateur. C'est notre job. Père, s'il te plaît, pardonne-leur.
Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hey! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que nous avons fait? Je ne sais pas dire. Qu'est-ce que nous allons devenir maintenant? Ouais. Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qui a bien pu faire ça? C'est terrible. Ça, c'est quoi? Gloire à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, je dis gloire à Dieu. Alléluia. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre retraite. Je remercie Dieu de nous avoir rassemblés. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus. On commence au nom du Père. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allume en nous la flamme de ton amour. Vois ton esprit pour une nouvelle création. Et l'aspect du monde sera renouvelé. Prions ensemble. Ô Dieu, par la lumière du Saint-Esprit, fortifie chaque jour le cœur des fidèles. Que par le Saint-Esprit, nous soyons vraiment sages. Et qu'on se réjouisse dans la consolation. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Viens, Seigneur, ouvrir nos lèvres. Amen. Nous avons besoin de ton aide. Et nos langues annonceront la paix. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Prière quotidienne au Saint-Jude Thaddée. Ô glorieux apôtre Saint-Jude Thaddée, fidèle serviteur et ami de Jésus, le nom du prêtre qui a livré notre bien-aimé maître entre les mains de ses ennemis, ce qui l'a fait être oublié par plusieurs. On vous honore et on vous invoque comme le patron des cas désespérés et malheureux comme moi. Prie pour moi qui suis aussi misérable. Utilise ton corps pour ces privilèges particuliers, selon toi, pour mettre mes ennemis sous mes pieds. Ta maison est connue de tous. J'ai besoin de ton assistance en ce moment. Que je reçoive la consolation et la récompense du ciel pour pourvoir à mes besoins. Guérir mes souffrances, je t'en supplie. Particulièrement, frères et sœurs, remercions Dieu pour ce grand privilège d'être rassemblés en sa présence aujourd'hui. En le remerciant, demandons-lui aussi le pardon pour nos péchés. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Et que tu pries Dieu pour nous. Et que tu pries Dieu pour nous. Et tous les saints pour toujours. Promets-nous, ô Jésus béni, de nous faire nous promettons de t'honorer et puissant et de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer notre dévotion envers toi. Amen. Saint-Jude Thaddée, priez pour nous. Et pour tous nos péchés. Saint-Jude Thaddée, priez pour nous. Et pour tous nos péchés. Saint-Jude Thaddée, priez pour nous. Et pour nos familles également. À cet instant, permettez-moi de présenter notre frère qui est venu nous rendre visite et nous donner des réponses à certaines questions. Veuillez applaudir pour souhaiter la bienvenue à notre frère Simezie Ifani Tsuku.
Une fois de plus, je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette grande et magnifique assemblée. Un tonnerre d'applaudissements pour vous-même. Avant de commencer la séance de questions-réponses, permettez-moi de faire quelque chose de très important pour nous. Aujourd'hui, nous célébrons un être merveilleux, un merveilleux saint, un merveilleux apôtre Saint-Jude qui œuvrait pour le Seigneur. Vous savez, bien qu'il soit allé dans la gloire, ses œuvres demeurent. Nous devons fructifier l'héritage qu'il nous a laissé. Nous devons le perpétuer. Nous devons être des gagnants d'âme comme il a été. Dans la joie de Christ, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos frères et sœurs du village d'Otiko. Merci, 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 merci. De grâce, peut-on nous mettre sur nos genoux? J'espère que vous avez notre livre de prière. Bien. Ouvrons la page 51. Chantons ensemble. Êtes-vous prêts? 1, 2, c'est parti! Thank you.
Saint-Jude, l'aide désespérée. Aide-nous dans notre détresse. Apôtre béni, intercédez pour nous. Veuillez vous asseoir, asseyez-vous. Maintenant, place aux questions. La première question que nous avons est de savoir pourquoi avons-nous plusieurs images de saints, comme Saint Jude, Sainte Marie, et même celle de Jésus. La Bible condamne-t-elle cela? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une image? Une image est une forme externe d'une personne ou d'une chose dans l'art. C'est généralement l'impression d'une personne, d'une organisation, d'un produit présenté au public. C'est ce sur quoi je suis tombé en faisant mes recherches. Ici, devant nous, nous avons l'autel de Jésus, de la Sainte Marie et du Saint Jude. Et je suis convaincu que c'est à partir de là que la personne qui a posé cette question a tiré son interrogation. Oui. Je vous prie de me suivre attentivement pendant que j'évolue dans mon exposé, point par point. Et assurez-vous d'avoir vos stylos, vos cahiers et vos bibles. Il y a plusieurs formes d'images, telles que 1. Les images vivantes, qui comprennent les êtres humains et les autres animaux vivants. Toutefois, seuls les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu. 2. Les images non vivantes, qui comprennent toutes choses non vivantes. Les images non vivantes peuvent être regroupées petit a. Les images artistiques, qui sont généralement très souvent dessinées et conçues. Les images d'une personne, d'un animal ou d'une chose. Petit b. Les images photographiques, qui sont similaires à des images inertes. Ce sont des photos de personnes, d'animaux ou des choses, qui sont souvent développées en petit ou alors en grand format. Petit c. Images sculptées. Il s'agit d'images sculptées ou moulées de personnes, d'animaux ou de choses. En moulant les êtres humains à la création, Dieu est devenu la première personne à mouler des images. Quelqu'un pourrait-il lire Nombre 21, verset 9. Gloire à Dieu. Je vais lire au nom tout puissant de Jésus, Nombre 21, verset 9. Alors Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Quiconque avait été mordu et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Nous le comprenons bien. Alors, quelqu'un peut-il lire Jean 3, verset 14? Saint-Jude, allez prier pour nous. Intercédez pour nous. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Dieu a approuvé l'idée des images. Il nous a créés à sa propre image. S'il vous plaît, que quelqu'un lise Genèse 1, verset 27. Apôtre béni, priez pour nous. Genèse, chapitre 1, verset 27. Alors Dieu créa l'homme à son image. Et à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il les créa.
Alléluia. Il est Dieu. Donc nous sommes des dieux. Que quelqu'un lise Psaume 82, verset 6. Saint Dieu t'a dit, priez pour nous. Psaume 82, verset 6. Je le dis bien, vous êtes des dieux. Vous êtes de la famille du Dieu très haut. C'est bien de ça qu'on parle. Alors que quelqu'un lise Jean 10, verset 34. Gloire à Dieu. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 34. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Jésus leur dit, vous êtes des dieux. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. À ce niveau, ce que Dieu n'aime pas, c'est bien évidemment l'adoration des images. Si une personne est tentée d'adorer une image qu'elle a achetée, alors il serait préférable que cette personne n'achète jamais cette image. Souvenez-vous que dans certaines traditions ou cultures, des personnes fléchissent ou se prosternent en signe de respect. Cela ne devrait pas être considéré comme adorer une personne. D'ailleurs, nous accrochons des photos de nous sur les murs dans la plupart de nos maisons en guise de souvenir. Cela ne devrait pas également être considéré comme une sorte d'adoration. En conclusion, frères et sœurs, les images de Jésus ou toute autre image que nous avons dans nos églises ou alors dans nos hôtels ne devraient pas être adorées, mais plutôt pour se souvenir d'eux. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et prions pour que Dieu nous bénisse et nous protège. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Les commanditaires et assassins de Saint Jude furent tous arrêtés et remis entre les mains des autorités. Le roi et les membres de son cabinet devinrent les membres de la nouvelle église établie dans le village d'Otiko, où Masiudoka est devenu le nouveau catéchiste. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Et assisté par le frère Paul.